espérance pas innocent. Père espérance pas innocent dans kidnapping nan messieurs. Père espérance pas innocent. Père espérance pas innocent. Père espérance pas innocent dans kidnapping nan messieurs. Jodi a nous saluer la presse. Nous saluer peuple haïtien en général. Jodi a nous camper devant micro la presse pour venir dénoncer Pierre Espérance qui prend $400,000 américains dans mes familles Clifford Brandt pour faire rapport pour délibérer Clifford Brandt comme un gros kidnappé, comme un gros assassin. Qu'on connaît le ou la façon Laurent Salvador Lamotte t'est arrêté depuis 2014 comme un kidnappé. Je dis à ces mêmes Pierre Espérance là qui voulait faire peuple à comprendre Clifford Brandt pas kidnappé. La chita Elon Show avec papa Brandt, avec famille Brandt, pour le ramasser $400,000 américains pour la produire rapport. Pour le dire que Pierre Espérance, pour le dire que Clifford Brandt pas volé, il pas kidnappé. Je dis, nous avons une grande institution qui est crédible dans le pays, qui est DCPJ. Moi, je crois que Clifford Brandt passé devant alors la police. Tout le monde connaît Clifford Brandt, son assassin, son kidnappé. Il a 9 ans depuis le condamné dans la prison. Même Pierre Espérance ramassé $400,000 américains dans mes familles. Brandt, pour le dire, son innocent, faut le libérer. Mais je dis, comme qui n'a Pierre Espérance, il doit remettre. Depuis nous te wè Marie-Hélène Gilles, te quitté NDDH, toi te connais son réseau gang qui là. Depuis Chelson Sanon, te fin parler, il te dit Pierre Espérance, te mette le fait antenne pour te faire kidnapping. Pierre Espérance, entre une longue série de dossiers pour le ka faire kidnapping. Pour le ka faire deal drogue li, faut te wè Pierre Espérance pas ka bon monde. Je dis, m'kwe, DCPJ, Raïs Chéandi dans le blanc. Laurent Salvador Lamotte, en 2014, te fait que nous prenons Clifford Brandt. Je dis à qui n'a pas l'intention nationale. Je dis à si on est, qu'on est qu'on prend l'argent. Tu as bien espérance prend l'argent dans mes familles Brandt pour la délibérer Brandt. C'est bien compté, mal calculé. Pierre Espérance pas innocent. Pierre Espérance pas innocent. Pierre Espérance pas innocent dans le kidnapping, non, monsieur. Pierre Espérance pas innocent. Pierre Espérance pas innocent. Pierre Espérance pas innocent dans le kidnapping, non, monsieur. Encore, même Pierre Espérance qui prend le blanchi kidnappé, même Pierre Espérance Zou, il était en tant que président contrôlé 45 millions à 53 millions de dollars, car ex-président Jovenel Moïse. Pierre Espérance, c'est lui qui a conduit machine pour Félix Badjo. Altouye président Jovenel Moïse. Je dis à si arrêter Félix Badjo. Pour qui ça Pierre Espérance là dans la rue? Dans sa vanne. Ah! Pierre Espérance qu'on dit machine. Pour Félix Badjo altouye Jovenel Moïse. Il a arrêté Félix Badjo. Même Pierre Espérance là, l'a chanté la cocaïne. Dans tout rapport, Pierre Espérance était toujours à produire. Combien de rapports elle produit? Sous BM PAD. Dans le passage, Patrick Noamé. C'est 1 milliard 300 millions de dollars. Résolution 1 milliard 300 millions de dollars privé. BMPAD te décaissé pour privé. 1 million 300 millions de dollars. Qui veut dire comme ça, pas jamais parler. Les demandes comme Petro Caribea. On caille André Michel acheté pour $350,000 américains ce domaine. Mais qu'on y a même s'il vend $100,000 américains là bas lui. Caille André Michel acheté pour $350,000 américains ce domaine là. Lui mettez là la vente là. Même si on a $100,000 américains là-bas, parce que l'OLK a perdu tout. Puis il faut voler, qui te vole comme Petro Caribe, qui achète Kaye Senomen. Je dis à la, c'est même yo même qui a pris de Kaye. Il a pris de Kaye pour Timone. Je dis à peuple haïtien en souffrance. Yo vole comme Petro Caribe, bandit légal Michel Matéli, yo tout vole comme Petro Caribe, il a lâché pile building yo Senomen. Je dis à garder yo, kounya yo tout mette Kaye à la vente. André Michel qui était toujours dit c'est avocat. Avocat et BMPAD l'ité. Combien de rapports nous avons Pierre Espérance fait sur BMPAD? Dans le passage, Patrick Noamé. Tu as dit la justice besoin de Patrick Noamé, vrai?
Si la justice de M. Patrick nous ramène, je pense que vous avez mis une interdiction de départ contre l'assassin. Les voyages, Jean Vlé, Romel Bel, vous toute cette équipe. Je dis à M. Pierre Espérance, qu'on travaille toujours fait, oui. Dans le rapport, mes rapports, Pierre Espérance. Parait dans le ministère, mettez pression sur le ministre. Bon, 100 000 dollars américains. De vous pas parler, il met des rapports dans mon dos. Il paraît dans la direction générale. Il font un rapport. Il m'a donné 100 000 dollars américains. Dans tout, dans la PN, dans la douane, c'est comme ça qu'on fait l'argent. Tout côté le passé, il m'a donné l'argent. De vous pas parler, il y a un rapport dans mon dos. Mais de vous, un ministre, un directeur général, coopérer avec Pierre Espérance ou pas un rapport. Je dis, nous avons demandé la justice pays nous. Même si c'est gang qui n'a pas de justice là. Mais, bonjour à la justice. Pour marrer Pierre Espérance. Pour marrer toute gang. Patrick Noramé, il y a 1 300 000 000 $ pour le remettre au peuple haïtien. Comme ça, c'est la dernière résolution qui t'a décaissé sous privé. C'est dépatcha ou dépatcha comme ça. À la Chekaï aux États-Unis, à la Chekaï Canada, à la Chekaï ces domaines. Mais je dis, il y a des gens qui pour Timoné dans ces domaines. Je dis à maintenant des peuples haïtiens, prenez ce nom en main. Si Pierre Espérance, Kachita, dans la chambre de Jovenel, lui contrôle 45 millions jusqu'à 53 millions de dollars, il n'y a pas de parole pour le dire de CPJ. Même Pierre Espérance a dit, Félix Badiou a dit pour Martine Moïse. Il a dit, il y a des bagailles, de CPJ besoin de Pierre Espérance. De CPJ doit tendre Pierre Espérance, chef gang, papa gang. Même Pierre Espérance, ça ne connaît. C'est kidnapping n'a fait depuis que les suspects, yon moun a fait fond de pays, li met tête sous le groupe gang ni. Li fait kidnapper. NDLH son réseau gang. Jodi a Marie-Hélène Gilles. Même si Marie-Hélène Gilles pas bon moun, même pas bravo pour lui. Le Pierre Espérance sous privé, tal pour un corps dans le ministère de l'Éducation nationale. Pierre Espérance il y a une fondation. Il a aidé n'importe 400 Timoun voyer l'école. Combien de fois nous, Pierre Espérance, fait photo, image, Timoun n'a voyé l'école, n'a entré l'école. Combien de fois nous, Pierre Espérance, t'es contre Timoun, t'es pas aussi valise, mais sous dos pour y aller à l'école. C'est l'argent là pour masser, la fait kidnapping. Tandis que les posés moun vivent dans le pays, tout le monde qui peut égarer même, pense son bagage sérieux. Pierre Espérance ou bien compte à rendre avec le peuple haïtien. Faut aller remettre 400 000 dollars américains ça. Papa Brent Baou pour aller faire rapport. Qu'est-ce que Pierre Espérance pour faire rapport pour un kidnapper? Il y a un monde qui prend un kidnapper. Un kidnapping. Un gros kidnapper qui a 9 ans en prison, qui c'est Clifford Brent. Pierre Espérance pour aller faire rapport pour le délibérer. Je dis à demander peuple haïtien. On est cohérent. On bataille contre le système gang qui là. On bataille contre gang Ariel Henry, Anouel, Islonian, les bloqués dans la route. Ça fait bloquer dans la route. Les yoé non Ariel dans tête là dans des pral gagne qui c'est pral gagne tout monde connaît Ariel son gang Ariel son assassin peut-être Ariel liste pas qu'à sortir peut-être Pierre Espérance qui dans liste là liste pas qu'à sortir je dis à me penser que peuple a pral prendre c'est la main a fait bagarre il y a 17 février pour Ariel aller là nous pas voter Ariel c'est le vote au président pour le 17 février pour aller c'est opération déchouquer assassin opération baillon manchette. Affaire manchette là pour le continuer. Affaire petit gang à Sapatio, mandez-nous pardon. L'homme de bataille contre nous, son mal de qu'on fait. Tête moi. Mandez-nous pardon. N'est-ce qui est gang les gangs à Sapatio, mandez-nous excuse, je dis. Parce que vraiment bataille là, c'est nègre avec vous. Vraiment bataille là, c'est contre gang avec vous. Contre Ariel Henry, contre Pierre Espérance, contre tout gang. Cap banon munitions, Michel Martelly, c'est vous pour nous contre. Je dis, on va jouer un arabe. Cap bataille contre Iso. Ou pas besoin d'arabe, esclave mental que vous avez. Vous avez bataille contre le système gang avec vous. Je dis à qui mette le pays à côté de là. Le gars de Iso, il connaît la mouille. Mais le poton vieux bout de fer dans le esclave. Le gars de Tilapi, il connaît la mouille. Pendant vieux bout de fer dans le. Tandis que gang avec vous, même quand vous avez des munitions, vous avez des chita kekal. Petit chou, à vivre à l'étranger, vous avez même esclave pour toujours. Même compagnie avion, vous avez gardé là. Avant hier, pendant le sud. Ticket aller tout est 289 dollars américains. Non, clin d'œil monte 340 dollars américains. Ça fait ça Mariani, gon mission ou bay pour Mariani. Mariani qui est occupé. Le ou la façon avion pour prendre. Est-ce que nous côté pays a tombé? Compagnie avion yo. Nous devons passer mais prendre yo. Ticket 289 dollars américains.
dans deux jours, ils ont bloqué Mariani. Ils ont passé $340 américains. Aller-retour. Pour aller là au Kai. Dans 25 minutes d'avion qui est arrivé au Kai. Là, non. Dans le moment où ticket, combien de tickets a été $154. Ils ont passé à $180. Bon ticket. Ticket en plein qui est passé à $360. Pour aller là au Cap. Il a dit kidnapping non. Soit qu'a fait là, nèg yo c'est esclave mental. Mandez nous excuse, m'pa goumé contre nous encore. Je dis à bataille pour me faire là et faut nous aider me faire tout. Si nous vire pour zam qui dans menou, na figi Michel Martelly, na figi tout bandi légal qui ba nous zam yo. Na figi Ariel Henry, André Michel, Major Michel, m'a continuer goumé avec nous moi-même. M'prêt pour m'excuser nous, c'est les moins que nous prend zam qui dans menou, nous vire sur monde qui ba nous yo. Laisse m'a dit bravo. Avec ces jeunes qui sont dans le ghetto. Parce que nous ne sommes pas des gangs. Nous ne sommes pas des assassins. Ils ont fait philosophie. Quand il y a des gens qui font philosophie, qui font faculté. Je dis, c'est eux-mêmes. L'État, gang qui a gaspillé l'avenir de la jeunesse. En plus, les jeunes garçons ne sont pas des amis, pas volontaires, pas des vraiment vrais. Ils acceptent de souffrir parce que les familles, ils ont une famille qui est toujours après les derrière. Mais les gangs ne sont pas douces, misère pas douce. On sait le bagaille. Je demande à qui est dans mes Arabes là, veulent rejoindre nous. Pour me rejoindre nous, faut que les gens qui sont dans mon faut que je sous Michel Martelly ou Virel. Faut que les gens qui sont dans mon faut que je sous Ariel en ou Virel. Faut que les gens qui sont dans mon faut que je sous SDP ou Virel. Les qui sont dans là. Laisse ça moi-même, je vais dans le ghetto à l'aise. Pas de problème dans le ghetto. On a le ghetto qui est en face, parce qu'on sort. Parce qu'on est un esclave mental. On semble où. Les gens qui passent là, c'est les gens qui achètent des munitions. Qui vont terroriser maman, ou papa, ou cousin. Parce qu'on n'a pas besoin de petite boulos, ou pas besoin de petite apède, ou pas besoin de petite brante, ou pas besoin de petite akra, ou pas besoin de petite shérif Abdallah pour terroriser. Ou pas besoin de petite bossan pour terroriser. C'est frère ou c'est soeur qui est dans le ghetto avant. C'est eux qui ont terrorisé. Je dis à Arab qui ont bataille à mener. Marcher contre tout le monde. Même j'en ai que Arab a marché dans tout le département. Arab a un jour de parler dans tout le ghetto à parler avec tout le monde qui est dans le ghetto.